Ça fait juste legit 15 fois que je recommence mon intro, hein, parce que je veux pas dire de la merde, parce que c'est juste ça que je dis depuis le début. Let's go! Le cerveau coopère, s'il vous plaît. Salut tout le monde, re-bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très demandée parce que je vais répondre aux questions que vous m'avez énormément posées sur les fameuses manucures et pédicures que je me fais à la maison. Donc, je vous réponds ça à l'instant. J'ai vraiment pris en note toutes les questions que vous m'aviez envoyées. Donc, j'y réponds à l'instant. On y va! Donc, première des choses, moi j'ai tout le temps été une rongeuse d'ongles. J'ai tout le temps rongé mes ongles vraiment très 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 courts. J'haïssais ça avoir les ongles longs. Je sais pas pourquoi, j'aimais juste pas ça. Puis c'était comme un réflexe, peut-être le stress aussi, la nervosité, ces choses-là. Donc j'avais des ongles très très courts, c'était vraiment laid. En tout cas, pour moi je trouvais ça pas ça beau. Et là, ça fait un an et demi que je fais du gel avec la belle Karine. Et pour vrai, elle a sauvé mes mains, là, ça n'a même pas rapport. J'ai essayé de trouver une photo avant-après. C'est incroyable. Surtout le vernis gel m'évite beaucoup de ronger mes ongles parce que c'est dur. Puis en même temps, j'aime tellement mes ongles avec du gel que je me force à pas les ronger. Même maintenant, je trouve ça dégueulasse, là. Moi, t'sais... les doigts dans sa bouche. Hein? Donc quand je me rongeais les ongles, je me mettais du vernis bien classique là, qu'on achète en pharmacie. Mais évidemment, ça dure quoi, 3-4 jours, ça s'écaille. Ça te prend 2 heures le faire parce qu'à chaque fois que tu mets ta deuxième couche, ta troisième couche, ta quatrième couche, ton vernis n'est jamais sec, donc là, ça te beurre tout. Ton vernis n'est jamais lisse, c'est jamais à ton goût. Donc là, le vernis gel en fait, c'est vraiment très très dur. Donc le seul moyen que vous pouvez comme moffer votre vernis, c'est soit vous le couper avec un couteau ou... je sais pas, là, honnêtement, je sais pas comment que tu peux abîmer ton vernis, là. En tout cas, pour celles qui ont des difficultés à ronger leurs ongles ou à garder leur vernis longtemps, je vous dirais que le gel, c'est la meilleure option. En plus que ça prend vraiment deux fois moins de temps. C'est sûr que vous avez besoin un peu plus d'équipement. Vu que le vernis, vous pouvez simplement pas juste l'appliquer, attendre que ça sèche, vous devez le faire cuire avec une petite machine. Mais honnêtement, les produits que je vais vous montrer aujourd'hui sont super abordables, se vendent en pharmacie, donc peu importe où vous êtes au Québec, ils vont s'y retrouver, donc pas besoin de les acheter en ligne, attendre je sais pas combien de temps, ou d'aller en pharmacie acheter des vernis normaux, puis vous allez tanner. Vous allez voir des vernis gel qui vont durer vraiment longtemps. Et comme vous le savez, depuis le mois de juin-juillet, je suis ambassadrice pour la compagnie Nel Création, qui est en fait une compagnie québécoise basée ici à Montréal, au Rive-Sud, aux alentours. Et c'est une compagnie, en fait, que ça fait déjà une dizaine d'années qui est sur le marché. Et ça a été créé par Nathalie Ouellet, qui est dans le domaine des ongles depuis déjà une vingtaine d'années. Donc, assez de quoi cajose. Donc, moi, j'utilise les produits Nel Création autant sur mes mains que sur mes pieds. Et quand je vais voir la belle Karine, eh bien, j'apporte mes produits Nel Création, évidemment, pour les utiliser. Donc je vais vous montrer, j'ai toute la collection à la maison. Fait que je vais vous montrer la panoplie de couleurs qu'ils ont. Tu sais? Magnifique. Donc ils ont trois, en fait non, même j'en ai oublié une coupe. J'en ai d'autres ici aussi. Voilà. Donc pour vous dire, ça prend un tiroir complet de ma commode, fait que j'ai du vernis en masse. Et en fait, ils ont trois types de vernis, donc vous avez les trois en un. Vous avez les trois en un comme ça, donc en fait celui-là vous n'avez pas besoin de base coat ni de top coat, vous faites ni de couleur parce que c'est intégré dedans. Donc vous faites juste mettre une couche, deux couches, trois couches si vous voulez. Moi ma couleur préférée dans les trois en un, en fait j'en ai quand même plusieurs. J'ai la couleur 2 ici qui est une espèce de rose bébé que je mets relativement souvent. Super cute pour l'été quand vous êtes bronzé ou même pour l'hiver si vous voulez un petit nude. Sinon, il y a celui-là ici aussi, c'est la couleur numéro 3. Lui est un peu plus pêche. D'ailleurs, c'est cette couleur-là que j'ai quand je fais mes ongles dans la vidéo. Parce que là, c'est ça l'affaire, ok? Je vais vous dire. Je vais tout vous montrer comment je fais mes ongles plus tard. Puis là, vous allez voir que ben j'ai les ongles foncés. Mais c'est en fait, je suis allée voir ma belle Karine hier pour faire mes ongles. Puis j'avais déjà filmé la partie que je suis en train de faire de filmer au même moment que je faisais ça, mais je l'aimais pas. En tout cas, j'aimais juste pas, fait que je me suis dit je vais aller leur filmer. Mais c'est pour ça que j'ai pas la même couleur, mais bref. Comprenez. Ensuite de ça, dans les 3 en 1, j'aime énormément celui-là aussi. C'est une espèce de lavande. C'est la couleur numéro 17.
vraiment cute aussi. Moi, j'adore les couleurs pâles, tout ça. Ensuite, il y a un autre pêche aussi dans les 3 en 1. Ah non, ça c'est un température. J'ai volé le punch. Donc voilà, mais honnêtement, je capote sur toutes les couleurs. Ils ont vraiment une très grande gamme de couleurs, donc ça peut s'adapter à chacun de vos goûts. Les températures, vous avez besoin d'une base et d'un top qui se vendent séparément aussi. Donc comme ça, vous avez un type de base. Hein. Donc vous avez un base coat ici. Sinon, vous avez trois types de finitions ici. Vous avez la finition lustrée, la finition matte et la finition veloutée. Honnêtement, moi, ma préférée, c'est la lustrée, donc ça va faire un effet très, très, très shiny. Même quand j'utilise un 3 en 1, des fois, je mets une couche par-dessus, une fine couche, juste pour que ça soit là, comme shine bright like a diamond. Ensuite, vous avez le velouté et le mat. Le mat, ça a été comme une grosse mode, là. Ça fait comme si vous aviez vraiment aucun reflet, là, c'est mat, donc il n'y a pas de reflet, quoi que ce soit. Tandis que le velouté, c'est quand même similaire au mat, mais plus comme un effet velours. Ils sont très similaires, mais le velouté, il est comme un peu plus doux. C'est comme vraiment un entre-deux, je vous dirais. Les deux, je les aime beaucoup, surtout pour des couleurs foncées. Je trouve ça super beau. Donc, voilà. J'ai ma petite ordre, là, d'habitude. Base. Moi, ça va être là, lustré. Parce que je me fais tout un ordre dans mon truc comme ça. Là. Comme ça, je sais où je m'en vais. Dans la deuxième collection, en fait, il y a les températures. D'ailleurs, cette couleur-là que je vais mettre dans la vidéo, c'est la couleur numéro 5. C'est vraiment comme un bébé rose quand vous avez les mains chaudes. Sinon, quand vous avez les mains froides, il est relativement foncé. Sinon, encore là, pour vrai, je capote ma raide. Sinon, la couleur que j'ai mise ici, c'est le numéro 15 de chez les températures. Donc, c'est une espèce de prune super beau aussi pour l'automne, quand il fait froid, en fait, là, je trouve ça super beau. Après, la première fois que j'ai fait un vernis de température, j'avais l'air d'un enfant de 2 ans. Là, je me mettais les mains en dessous de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau chaude, de l'eau froide. Des villes bien raides, je capote. Si jamais vous capotez brillant, bien raide, eh bien, ils font la collection aussi diamants. Toutes des couleurs brillantes comme ça. Super beau. Honnêtement, moi, dans les diamants, j'adore la couleur que je viens de vous montrer. Sinon, celle-là aussi, qui est une espèce de rose avec des petits brillants à l'intérieur aussi. Super cute. Dans les fêtes aussi, là, c'est bien. Ensuite, vous avez les métalliques. Donc, ça, c'est vraiment un effet métallique, là. Donc, celui-là, il est quand même assez similaire à la couleur que j'ai en ce moment, mais il est comme plus rouge, puis un peu plus clair. Mais ils ont quand même beaucoup de choix dans celui-là aussi. Ils ont un argent, ils ont une espèce de bleu argent aussi, ils ont un mauve. Il y a tellement de choix, il y a tellement de couleurs des fois. Ensuite, en termes d'équipement, c'est sûr que vous avez besoin peut-être d'un peu plus de trucs que lorsque vous faites votre vernis normal, mais je vous le dis, ça vaut la peine. Donc, première des choses, vous avez besoin bien évidemment d'une lime à ongles. Personnellement, moi celle-là, c'est ma préférée, c'est celle qui est en forme de banane. C'est super facile quand vous voulez vous limer les ongles. Elle n'est pas trop rude, moi ça, des fois ça me grince les dents là. Mais celle-là, c'est super facile à utiliser. Les grains sont pas trop gros, chose que j'adore, donc c'est vraiment plus malléable. Sinon, il y a celle-là aussi, la brune comme ça. Qui est, les grains sont un peu plus épais aussi, donc si vous avez des ongles qui sont un peu plus durs, ou même sur les orteils, des fois, ça peut être plus pratique. Je l'aime bien aussi, des fois, quand que je veux juste m'enlever un résidu de vernis que j'arrive pas à enlever. Bon, un pouce cuticule aussi, super pratique pour vraiment venir pousser les cuticules le plus possible pour avoir plus de place sur la place d'ongle, et évidemment que votre vernis dure plus longtemps. Ensuite, ça c'est mon étape préférée, c'est le fameux bloc. Donc ça, pour vrai, beaucoup de gens ont tendance à le sous-estimer, mais c'est vraiment ça qui va faire en sorte, dans le fond, que votre vernis tienne longtemps. Donc vous faites juste le passer tranquillement sur vos ongles, puis en fait ça va faire des petites rayures sur vos ongles. Ne capotez pas là, ça fait pas des énormes traces, mais juste assez pour que dans le fond le vernis s'assoie très bien sur l'ongle et qu'évidemment il tienne plus longtemps possible. Ensuite, l'élément que vous avez absolument besoin, bien évidemment, c'est la petite lumière, super facile à transporter. Honnêtement, comme c'est plus petit que ma main là. Super facile à transporter. Puis ce qui est pratique aussi, c'est qu'en fait, c'est un fil USB. Donc, vous pouvez brancher ça dans votre ordi ou n'importe où. En fait, là, si vous voulez faire vos ongles à l'école, mettons, puis vous devez travailler en même temps, ben tu travailles, tu branches ça dans ton ordi, puis la job est faite. Sinon, vous pouvez juste utiliser un bloc, puis ça se fait super bien aussi. En fait, il y a des petites pattes comme ça, si jamais vous voulez la mettre sur votre bureau comme ça et cuire votre main. Ou sinon, vous pouvez bien évidemment fermer la lampe aussi et cuire vos mains comme ça, parce que si vous mettez vos doigts comme ça, ben vous devez cuire votre pouce par la suite, mais sinon si vous faites juste comme ça, vos ongles cuits en même temps. Et vous avez un petit bouton ici aussi qui est en fait pour régler la température, donc pour un clic
c'est 30 secondes. Si vous appuyez longtemps, c'est 60 secondes. Et pour chaque couche de vernis, vous avez besoin de cuire 120 secondes. Et une autre chose aussi qui est primordiale, en fait, le vernis va, si vous voulez le refaire, vous devez l'enlever, hein, si vous en reste. En fait, ça ne s'enlève pas avec du dissolvant à ongles normal, il vous faut de l'acétone. Donc c'est un dissolvant qui est un peu plus fort. L'acétone, en fait, c'est une solution transparente, vraiment pas nocive pour les ongles, mais vous devez la mettre dans le pot fond-tout avec brosse comme ça ici. C'est un petit pot, en fait, là, super simple. Et à l'intérieur, il y a une brosse. Donc vous avez une espèce de petite roulette à l'intérieur que vous accrochez. En fait, vous la tenez et vous tournez vos ongles une fois que le vernis est dissous. Et en fait, la petite brosse à l'intérieur va vraiment enlever tout votre vernis. Mais je montre tout ça dans les prochaines étapes. Et c'est tout, dans le fond, au niveau équipement de ce dont vous avez besoin. Peut-être que là, ça paraît beaucoup comparativement au vernis normal, que vous avez simplement besoin d'une lime à ongles et du vernis. Mais honnêtement, quand vous allez voir à quel point que le vernis dure plus longtemps, vous allez capoter. C'est vraiment un investissement, mais je vous garantis que ça en vaut la peine. Donc l'extrait que je vous montre à l'instant, en fait, ça faisait environ 2 semaines que j'avais mon vernis. Donc vous voyez à quel point il est super bien tenu, la couleur n'a pas changé. Le vernis a vraiment bien tenu sur mes ongles aussi. Donc la première étape va être d'enlever bien évidemment le vernis gel qui était là auparavant. Je vais commencer par limer la surface de l'ongle pour enlever l'effet brillant du vernis. En fait, ça va aider au vernis de se dissoudre plus facilement. Donc ça se fait super bien et faites juste vous assurer de bien limer les coins aussi. Ensuite, c'est là que l'acétone entre en jeu. En fait, vous allez en mettre dans le petit pot, je vous dirais d'environ un pouce et demi, juste assez pour que vos ongles soient complètement à l'intérieur. Et vous allez attendre entre, moi c'est environ 6 à 10 minutes pour vraiment s'assurer que le vernis se dissout complètement dans la solution. Puis après ça, vous brossez simplement vos doigts sur la petite brosse dans le pot. Donc ici, j'ai gardé mes ongles environ 5 minutes dans la solution. Vous pouvez déjà voir que ça s'est quand même très bien écaillé jusqu'à date. Donc là, quand même des petits bouts se sont pas enlevés, donc je vais y aller avec un pouce cuticule pour enlever le résidu. Si jamais il y a des bouts qui s'enlèvent plus difficilement, ne frottez surtout pas parce que vous pouvez endommager la plaque de votre ongle. Faites juste rajouter vos doigts à l'intérieur du pot, assurez-vous qu'ils sont complètement submergés dans l'acétone et ensuite faites juste garder vos mains 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, le temps que vous voulez et ensuite simplement repasser avec le pouce cuticule. Le pouce cuticule, ça va s'enlever super facilement. Deuxième étape, ça va être de se limer les ongles, donc tout dépendamment de la forme que vous voulez. Moi, j'aime bien quand c'est ovale, donc je vais vraiment y aller du coin de mon ongle, juste jusqu'à l'autre côté, mais je vais vraiment pas mettre beaucoup de pression au-devant, je vais vraiment en mettre plus sur les côtés et passer de gauche à droite, bien évidemment, pour uniformiser le tout. Par la suite, on va utiliser le pouce cuticule pour pousser nos cuticules. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à votre vernis de durer plus longtemps, comme ça, votre pouce va être le plus loin possible, puis en même temps, ça va vraiment vous faire un vernis plus uniforme, vraiment plus beau. Ensuite, mon étape préférée, c'est le fameux bloc, en fait. Ça va juste vraiment égaliser votre vernis. Ça va permettre à votre vernis d'être lisse, 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 pas avoir de bosse, pas avoir de petits résidus des fois. Donc, ça va juste mettre le tout super beau. Assurez-vous aussi de bien brosser sur les coins. Des fois, on oublie de faire cette partie-là et c'est là que le vernis a tendance à plus se détacher. Ensuite, là, c'est la partie le fun. C'est là qu'on applique le vernis. Et là, je vais appliquer la couleur numéro 5 dans les températures. Donc, vu que c'est une température, vous avez besoin d'une base et d'un top. Donc, pour la base, je vous suggère vraiment de faire des fines, fines couches, en fait, pour toutes les couches de vernis. C'est beaucoup mieux d'en faire plusieurs, mais des fines, que moins de couches, mais plus épaisses. Parce que tout simplement, le vernis va avoir le temps de plus cuire en profondeur, tandis que si vous faites des grosses couches, des fois, ça va être juste avec la partie de la surface qui va cuire et non le vernis en entier. Donc, on y va pour la couleur. Encore là, super important de faire des fines, fines couches et d'en mettre vraiment uniformément partout sur la plaque de l'ongle. Et déjà là, vous pouvez voir la différence entre mon doigt qui est chaud, donc la couleur qui est une espèce de rose pâle et la couleur initiale qui est une espèce de mauve. Et si jamais vous débordez aussi, c'est super normal. Donc simplement utilisez le pouce cuticule pour enlever les résidus sur les coins. Et c'est super important aussi de le faire avant de cuire votre vernis parce que sinon le vernis va cuire sur votre peau. Et on cuit pendant 120 secondes!
Donc, vous pouvez voir déjà la différence après deux couches. Vous pouvez voir que le vernis est quand même assez opaque, mais moi, je vais quand même faire trois couches pour que m'assurer que ça soit opaque partout. Il est trop cute. En fait, vous avez comme deux vernis en un. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est le résultat après trois couches. Je dirais que c'est quand même la quantité normale, mais vous pouvez en faire une de moins, une de plus, selon vos goûts, il n'y a aucun problème. Donc, pour la finition, j'ai bien évidemment choisi la finition lustrée. Je l'aime beaucoup trop. On va s'assurer d'en mettre encore là une fine couche partout sur l'ongle, autant en avant jusqu'au bout de l'ongle, et s'assurer de sceller, bien évidemment. Et on va cuire pour un autre 120 secondes. Une fois fini, faites juste vous assurer que votre vernis est sec au complet, donc si ça colle encore un peu, faites simplement recuire pour un autre 60 secondes et tout devrait être super beau. Donc c'est aussi simple que ça, c'est sûr qu'avec le temps vous allez devenir de plus en plus habile et votre vernis va être de plus en plus beau, mais je vous assure que dès les premières fois vous allez voir une grande différence à quel point le vernis reste beaucoup plus longtemps quand c'est en gel. Puis, petit scoop, je vous dis ça comme ça, mais ils ont beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, autant dans les couleurs que dans les types de vernis, donc restez à l'affût, pour vrai ça va être... débile mental. Donc c'est ce qui conclut la vidéo, j'espère que ça vous a plu et que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais il en reste encore, vous pouvez les écrire dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre. Et bien évidemment, n'oublie pas de me donner un gros thumbs up et on s'abonne à la chaîne parce qu'il y a plein de beaux contenus qui s'en vient prochainement. Et bien évidemment, je vous aime de tout mon cœur. Mouah! Et on se revoit dans une prochaine vidéo.